Je m'appelle Sarah, j'ai 10 ans et voici mon frère Jacob qui a 11 ans. Nous sommes orphelins et comme nous sommes juifs, on nous a enfermés dans le ghetto de Térézine en décembre 1941. Térézine est une ville de Tchécoslovaquie envahie par les Allemands. On habite dans un bâtiment qui était une caserne. Nous dormons dans une petite pièce avec 30 autres enfants. Les murs sont gris. On dort à deux par chalet. Il fait froid, c'est humide. On n'a pas de matelas, juste un drap usé pour nous couvrir. Il y a souvent des poux et des puces. Nous mangeons trois fois par jour. Nous devons faire la queue pour être servis. Mais on nous donne peu de nourriture. Elle est mauvaise. Nous sortons du ghetto pour aller travailler dans les champs toute la journée. On entretient les champs, on plante et on récolte les fruits et les légumes. En été, quand on ramasse les fruits, on a envie d'y goûter. Ceux qui l'ont fait, on ne les a jamais revus. En hiver, nous avons froid. La terre est dure, le travail est difficile. Le soir après le travail, nous jouons aux billes, à cache-cache et ça nous détend. Après le travail, on joue une pièce avec Hans Krassa qui s'appelle Brundibar. Nous avons joué une quarantaine de fois le spectacle. Au début de l'été 1944, nous avons vu les rues être nettoyées, les murs se faire peindre. Des boutiques et des jeux s'installaient. On était heureux, on a cru que tout allait s'arranger. Beaucoup de personnes qu'on connaissait sont parties dans les convois, on était moins tassés. Peu de jours après, on nous a demandé de mettre nos plus beaux vêtements. Et de nous installer à un endroit précis dans la rue. On nous a donné une tartine beurrée avec une sardine. Et quand le monsieur de la Croix-Rouge est passé devant nous avec le commandant du camp, on devait dire « Oncle Ram, encore des sardines !» On s'est rendu compte que tout était faux, même les boutiques. Ce jour-là, nous avons rejoué Brundibar devant plein de spectateurs. Nous avons été filmés pour faire croire au monde entier qu'on était heureux et que tout se passait bien dans le camp. Nous sommes en octobre 1944. Nous sommes sur le point de mourir à Auschwitz avec beaucoup de nos amis. Thank you.